Oui. Oui, notamment les vies que tu peux regarder dedans, souvent, quand tu as un thème, la période de décembre, maintenant, vraiment, c'est si. Ah oui, tiens, c'est super génial, c'est si je peux t'aider de moi, mais on est vraiment que. C'est si. Après, c'est si je peux pas te retirer. C'est parce que le matin, ils vont me dire, parce que vous avez besoin de traduction. En plus, mon verre, c'est ma fille, votre voisin, je ne suis même pas d'accord. Je suis encore tombée dans les préjugés. Avant tout, à chaque présentation, je me permets justement de remercier les créateurs, de m'avoir amené ici à la vitesse des cadres. J'ai demandé aux créateurs aussi d'avoir du respect j'ai aucune idée de combien de temps de ma présentation. Et aussi, si je peux réveiller des consciences, c'est tant mieux. C'est déjà mon cœur humain. Si c'est juste une personne, c'est déjà beaucoup pour moi. On parle de souveraineté. Souveraineté québécoise, ces Premières Nations sont-elles réconciliables? J'ai une question. Avons-nous été en guerre? Avons-nous été en chicane lorsqu'on parle de réconciliation? Je pense qu'on n'a pas été en guerre. Le système a fait qu'on a été. On s'est comme dispersé, mais non, il y a eu des barrières de relations qui ont été mises par rapport au système. Surtout de notre côté aussi, parce qu'évidemment, on a été confronté à ce qu'on appelle la loi sur les Indiens, qui a fait naître beaucoup de préjugés pour la société en général. Ils ont un regard quand même négatif aux Premières Nations. On est des gangs d'alcooliques, des gangs de drogués. On ne paye pas d'impôts. On ne paye pas de taxes. C'est vrai qu'on n'en paye pas de taxes, juste quand on est dans la communauté. C'est important de le savoir. Dès qu'on sort de la communauté, on paye la taxe. Lorsqu'on travaille en ville, on paye de l'impôt comme un Québécois. Vous voyez, c'est des préjugés qui ont été retransmis de génération en génération. Donc, on a encore beaucoup de travail à faire pendant le temps du Québec à faire tomber ces préjugés-là. Moi, j'y crois. C'est sûr qu'on n'a pas eu de guerre, mais j'y crois qu'il y a une réconciliation quelque part. J'y crois qu'il peut y avoir un travail d'alliance qui peut se faire. On vit dans la même planète, on vit dans le même territoire. Et je pense que ces alliances-là doivent être faites dans le respect des différences, le respect des enjeux. Les enjeux sont vraiment différents. Nous, on est confrontés avec la loi sur les Indiens qui discrimine beaucoup, surtout les femmes. Oui, on le sait, les femmes autochtones du Québec font beaucoup de luttes par rapport à ces femmes-là. Et en plus, nous, les femmes, ben, je ne veux pas avoir le langage féministe, mais écoutez, nous, les femmes, on est doublement discriminées avec ces lois, parce qu'on est femmes et parce qu'on est autochtones. Donc, il y a tout un processus à faire avant. Et une autre question que je me posais en regardant la fameuse question à l'écran, parce que je suis très... moi, j'arrive comme ça au pif et je m'attends à cette question. Donc, je n'ai pas de grand discours préparé par PowerPoint ou peu importe. J'y vais avec le cœur, avec mes connaissances, le peu de connaissances que j'ai. Et je me disais, est-ce que vous êtes souverain vous-même dans votre propre pays? Je pense que vous aussi, dernièrement, ces derniers temps, j'ai vu, moi, je suis élue depuis 2012. Et depuis 2012, j'ai vu des choses se passer par votre propre gouvernement. Pour vous-même aussi, on peut parler de plein de choses qui s'est passé, le port du voile, tous ces trucs, la charte des valeurs, etc. Et une des choses qui a frustré la population en général, c'est que vous n'avez même pas été consulté. Et nous, ça fait des siècles et des siècles qu'on n'est pas consulté. On aimait des lois, on aimait une structure chez nous. Ou est-ce que c'est pas nous qui avons décidé, vous voyez? Donc, vous avez vécu cette forme de colonialisme après nous. Bienvenue dans le club.
On a vraiment beaucoup à faire. Lorsqu'on parle justement de souveraineté, moi je dis toujours, est-ce que nous les Premières Nations, on est rendu à avoir une souveraineté? C'est une question délicate parce que on n'est même pas reconnu. Premièrement, on n'est même pas reconnu. Comment est-ce qu'on peut être souverain si on n'est même pas reconnu? Comment est-ce qu'on peut être souverain nous-mêmes si on n'a pas une force économique? C'est important que je le mentionne. Parce que tous les budgets d'une communauté viennent du fédéral, on le sait, parce que quand on est dans une réserve, c'est le fédéral qui nous fournit, etc. Donc, c'est tant et aussi longtemps qu'on n'aura pas cette force économique, où est-ce que nous-mêmes, on aura ce pouvoir après de dire je coupe les fils des gouvernements et je vais travailler ma souveraineté, je vais travailler ma façon de fonctionner dans les communautés. Mon éducation, premièrement. Vous savez que dans une école, en éducation, il y a juste une heure de cours. Moi, je parle de la langue Innu, je suis Innu d'origine. Nos langues sont encore bien vivantes et je sais que M. Constant parle de la langue Atikamekw. Elles sont encore vivantes, nos langues. Mais dans nos écoles, on a juste une heure de cours par classe. Et après, c'est tout français. Et les cours de base. Si j'avais construit une école de rêve, je mettrais les cours de langue, je mettrais le cours de français une heure de temps par semaine. Ce serait correct. Parce que nos langues font partie de notre identité. Et de plus en plus, bien, nos gens ne parlent plus la langue. Il y a un danger dans les communautés. Et je sais qu'il y a eu un grand débat sur vos langues aussi, français et anglais, c'était assez confrontant pour vous aussi. Donc, imaginez nous-mêmes aussi. Donc, j'inclurais aussi la culture, c'est important, ça fait partie de l'identité de la personne. J'inclurais aussi toutes nos techniques de chasse traditionnelle. On a été un peu comme ça. On est encore ça, mais de moins, on est devenu moderne quand même. Donc, c'est tous des enjeux de ce genre. Les enjeux sont différents, mais quand même, je pense qu'il y a des enjeux qui se rejoignent. Si je reviens de Ndjedidéut, si vous connaissez Ndjedidéut, Ndjedidéut a mis beaucoup la lutte qui se passe pour la nation Anishinaabe. Donc, Ndjedidéut, c'est quand même, moi, je suis allée participer l'année passée et j'ai vraiment trippé. J'attends être présente dans des manifestations de ce genre, des activités de ce genre, où est-ce que les peuples se rallient ensemble pour une même cause. L'environnement, un des enjeux majeurs, que ce soit québécois, que ce soit autochtone, que ce soit chinois ou les quatre races, les quatre peuples sur la terre, on a besoin de l'environnement. L'environnement est très important. J'adore m'introduire dedans, pas parce que je suis femme autochtone du Québec, parce que je suis femme et je dépends de la terre. Dans ma culture, on se nourrit encore de la terre, on voit la chance, on dépend de la terre encore. Si on n'a pas un bel environnement, on parle de canicule ces temps-ci, tout le monde shake, cet hiver, tout le monde va avoir qu'il fasse chaud. On n'est jamais content. Et chez nous, on s'adapte. Peu importe la température, on s'adapte et on remercie le Créateur d'être encore vivant. Et vous savez, dans une communauté, vous n'allez jamais voir quelqu'un avec un parapluie. Même si en étant en ville, moi je me promène sans parapluie. Quand on dit on s'adapte à la température, et quand les gens viennent avec un parapluie dans une communauté, on s'amuse. Parce que c'est long, parce qu'on n'a jamais vu ça. C'est juste des questions d'adaptation. Donc, il y a des valeurs de respect qui doivent être aussi respectées. Le respect des différences, le respect des luttes aussi. Il n'y a pas une lutte plus importante que l'autre. Si on a décidé un jour, si on a été conscientisé, qu'on a décidé de lutter pour quoi que ce soit, je pense qu'il faut rester avec l'idée, les buts, les objectifs. Et parfois, lorsqu'on commence à militer ou qu'on commence justement à lutter pour des choses, oups, c'est un qui prend toute la place.
le côté compétitif, on dirait qu'il est omniprésent. J'ai de la misère avec ça, le côté compétitif. Nous, on fait des choses, on lutte, on est devant une barricade, on fait un blocus. C'est pas pour être devant puis se faire voir par les caméras, c'est pour l'enjeu. C'est pour l'enjeu. Pourquoi on le fait? On le fait pour le territoire et on le fait toujours pacifiquement. Ça fait partie des formes d'activisme. Okay? Et les communautés autochtones sont plus activistes que militantes. Que militantes. Dans le sens, à Montréal, on a beaucoup de militantes autochtones, militantes, dans les grandes villes. Dans les communautés, c'est le contraire. C'est plus, les gens deviennent plus activistes. Quand c'est temps de bloquer une route, on est là. On ne va pas se poser des questions. Si tout d'un coup la police est là, on est là, on le fait, et on verra ce qui se passe après. Je suis une femme activiste. Moi, je me suis battue contre Hydro-Québec, une grosse machine. Ils ont voulu faire un détour Carré-Pékin, parce qu'on a une grande rivière à ce moment. Des gros saumons de 32 livres, wow! Pas des saumons en camp qu'on achète chez Corico, du saumon frais. Et nous, à chaque année, on exerce encore ces traditions-là, la belle à la pêche. Et on a bloqué la route. On a bloqué la route que j'étais enceinte de 8 mois. Vous voyez, on n'y pense même pas qu'on est enceinte, on n'y pense même pas de qu'est-ce qui va arriver. C'est le pourquoi je fais ça, l'action, pourquoi est-ce que j'ai fait ça. Donc, on s'est ramassé évidemment en prison. On a hérité des dossiers criminels. Wow! En tout cas, votre système, il est fucké. Vraiment, votre système judiciaire est vraiment fucké. Moi, je protège la terre. Je protège nos rivières, nos saumons. Et on me colle un dossier criminel. J'ai jamais tué personne. J'ai pas exercé de violence. On n'avait aucune arme. Et on me colle un dossier criminel. Moi. Mais bon. Mais au moins, on a gagné une petite bataille, il n'y a pas eu de détournement sur notre bien. Vous voyez, c'est juste pour vous montrer jusqu'à quel point. Est-ce que vous êtes prêts de vous allier avec nous quand on parle de souveraineté? Écoutez, quand on parle de souveraineté aussi, on a encore un bon bout de chemin à faire. Votre gouvernement, vous parlez de votre gouvernement. Votre gouvernement qui, aujourd'hui, on prend juste la cause des femmes autochtones disparues assassinées. 30 ans que ces femmes-là sont portées disparues assassinées. 30 ans qu'on veut une enquête nationale et que ce gouvernement-là n'en veut pas. On va parler du gouvernement encore. Moi, je n'ai aucune crainte de donner des noms. Ne veut pas. Et je sais que lui a dit c'est une cause criminelle. J'ai cru que c'est une cause criminelle. Évidemment, c'est criminel. Mais c'est dans la sociologie aussi. Écoutez, il y a toujours quelque chose, il y a un élément déclencheur. Pourquoi est-ce qu'on vit pourquoi est-ce qu'on a cette image négative dans les communautés où est-ce qu'on pète des scores, des 3A+, c'est la première fois qu'on pète des hauts scores. C'est là qu'on veut obtenir à l'université, puis on les a dans les communautés. Ce gouvernement-là, je pense, et je suis certaine, qu'il ne veut pas voir ses propres responsabilités. Écoutez, même si on est des Premières Nations pour l'instant, parce qu'on n'est pas encore souverain, on fait partie de la catégorie des Québécois canadiens. On est au Canada. Donc, il y a une responsabilité civile qui va se faire aussi, il me semble. Il y a une justice aussi qui va s'appliquer pour la protection des citoyens. Il me semble qu'on est dans le même bateau. Est-ce que j'ai raison? Non. Il y a plein de choses, ça c'est des exemples parmi tant d'autres, des inégalités de l'injustice que l'on vit. Et là, je ne veux pas passer pour
celle qui veut faire pitié, qui veut être encore victime. Non, je veux juste relater des faits, je veux juste donner des exemples. Où est-ce qu'il y a une injustice, où est-ce qu'il y a des inégalités à quelque part, juste pour vous montrer à quelque part. Et si un jour, un de la gang, ou peut-être ici, il va être dans le gouvernement, essayez de vous rappeler de ce qu'on vous raconte ce soir. On a besoin de vous. Que ce soit dans nos lieux, que ce soit dans nos actions, on a besoin de vous. Que ce soit juste de marcher avec nous le 4 octobre quand on marche pour les femmes autochtones disparues, assassinées, qu'on demande justice, on a besoin de vous. Parce qu'il y aurait plus d'impact. Le gouvernement, lorsqu'il voit ses propres citoyens dans telle ou telle action, je pense qu'il fait plus attention. Mais lorsque c'est juste une gang d'autochtones qui font des actions, pas ça ne vaut pas la peine. Même les médias, je suis désolée s'il y a des médias ici, mais c'est vraiment une réalité. Il y a eu une vague, où est-ce qu'on a parlé beaucoup des femmes autochtones disparues. Nous, on était bombardés au bureau et on fait très attention. On ne veut pas faire du sensationnalisme, puis répondre aux médias juste pour faire du sensationnalisme, qui va donner le plus d'informations. Il faut faire attention, c'est des vies. Et parmi ces vies ou ces personnes qui ont été portées disparues, il y a des familles. Est-ce qu'on va brasser la vie, les traumatismes de ces gens-là? Vous voyez jusqu'à quel point des fois. Et lorsqu'on parle de réconciliation, on n'était pas en Chicago, on n'était pas en réconciliation. Peut-on parler d'alliance? Peut-on parler de travailler ensemble? Peut-on parler, si un jour vous êtes un gouvernement, peut-on s'asseoir ensemble? Lorsque vous avez été brassé par votre propre gouvernement, vous n'avez même pas été consulté. Il a décidé pour vous. Et nous, de plusieurs siècles encore, on a vécu ces mêmes affaires, il a décidé pour nous sans même nous consulter. Vous savez, aux Nations Unies, plusieurs peuples autochtones ont créé justement la Déclaration des peuples autochtones. Une belle déclaration où est-ce que ça reflète vraiment ce que nous voulons. Un des articles, le droit d'être consulté. Je pense que tout le monde a le droit d'exprimer à ce principe-là, ces attentes-là dans la vie, quand on est enfant, quand on est grand, quand on est grand. Donc, on a besoin d'être consulté avant qu'on décide pour nous. On sait que cette déclaration-là, ce serait. C'est sûr que le gouvernement a signé à la fin parce qu'il était comme au pied du mur. Mais il a bien dit, je signe, mais sans aucun changement. Juste pour ne pas perdre la face. Bon. S'il y avait un changement, je pense qu'on aurait une place à quelque part dans ce monde. Moi, j'ai un rêve, hein. Vous savez, j'ai un rêve, puis je dis toujours, j'ai un rêve. Rien que tu m'aimes. J'ai vraiment un rêve. Moi, mon rêve, c'est vraiment d'être reconnu dans mon existence, avec toutes mes différences, et être respecté. C'est tout. Je ne demande pas 50 millions. Ça me prend une reconnaissance. Et on sait que dans l'histoire, on était là avant et je ne veux pas jouer, à vous culpabiliser quelque part, ça fait partie de l'histoire. On est un peuple accueillant et parfois peut-être trop accueillant. Moi, je vous ai dit parfois, on était trop accueillant. Peut-être que nos ancêtres ont été trop accueillants. Et quand même, on a cette belle grande valeur-là de partage. Elle existe encore. Est-ce que vous avez déjà été. Levez les mains ceux qui ont déjà été dans une communauté. Waouh! Bravo! 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 Bravo parce qu'une fois qu'on a créé des liens, les liens restent forts. Et je suis certaine que lorsque vous êtes rentré chez vous,
Vous n'allez pas dépenser les 500 quand on s'en va dans le sud. On vous a ouvert à notre porte. Même que parfois certains laissent leur propre lit à la visite. Ce que j'aime faire, moi, c'est quand j'adore recevoir. Quand je suis dans une communauté, en 2004, on a signé une entente de solidarité avec la Fédération des femmes du Québec. Autrefois, on était membre de la Fédération des femmes du Québec, jusqu'à se rendre compte qu'elle ne pouvait pas être les porte-parole des femmes autochtones du Québec. Nos enjeux étaient différents, nos luttes étaient différentes aussi. On a signé une entente de solidarité comme quoi on va être côte à côte, on va pouvoir lutter ensemble. Et à partir de là, les femmes de la Montérégie se sont dit « Bon, ben c'est beau, on a signé, mais on ne les connaît pas, nous, les femmes autochtones. » Et elles sont venues chez nous. Ce que j'aime faire, c'est inverser les rôles. J'ai fait dormir ces cinq femmes-là dans ma tente, dans une tente, sur un lit de sapin. Moi, j'ai dormi à la maison, sur mon lit, 80 pouces. J'ai inversé les rôles. On les a dû nourrir de notre nourriture, et je suis certaine que les gens qui ont été dans les communautés ont goûté de notre nourriture. On les a montré le topo d'une communauté, l'école, le côté politique qu'on a. On a vraiment fait du tourisme, et du tourisme vraiment inouï. Et en même temps, ça m'a amusé de rencontrer ces femmes-là parce qu'on est différents dans le sens. Il y a le féminisme. Il y a le féministe très très fort. Bon, elles étaient très très fortes. Lorsque je parlais de la culture du tambour, on a un tambour, nous, chez nous, qui est juste pour les hommes. Seuls les hommes peuvent y jouer, un tambour traditionnel. Et là, mon ami France, qui me dit Viviane, pourquoi c'est juste les femmes? Pourquoi c'est juste les hommes? Vous avez le droit de jouer au tambour? Et moi, je ris. J'ai dit, écoute, c'est des lois naturelles qui sont comme ça et on le respecte. Les hommes avaient un rôle à jouer, les femmes avaient un rôle à jouer et on s'est complété comme ça. Il n'y avait pas ce rapport de pouvoir qui est encore. Mais avec la création des communautés et avec les lois qui nous ont été imposées dans la notion des Indiens, ça a fait vraiment un gros changement dans nos rapports entre hommes et femmes. Donc, on a beaucoup de ménage à faire. Si un jour on est souverain, je pense qu'une des premières choses, je suis certaine que Constant va être dans l'accord avec moi, c'est qu'on va changer la loi sur les Indiens, ça c'est sûr. Ça s'appelle pas la loi sur les Indiens. On sait que les Indiens, c'est des Indous. On n'est pas des Indous, là, c'est vraiment les Premières Nations. Donc, on a beaucoup à faire. Et comment travailler ensemble? Je pense que il y a une bonne gang qui ont déjà amorcé le travail. C'est important de venir nous voir, c'est important de venir nous connaître. Je vous ai parlé des femmes qui sont venues, elles ont passé une semaine. Et depuis ce temps, nos liens sont vraiment, c'est des femmes. On a des liens de sororité. Ça aurait été des frères, on aurait eu des liens fraternels. Mais c'est vraiment des vrais liens. Et parfois, je reste à Longueuil, puis mon amie France reste à Longueuil. Il y a des sujets où est-ce qu'on parle, puis elle me fait travailler parce qu'il y a encore sa vision québécoise, elle est québécoise. Et comment essayer de faire comprendre certaines choses. Et là, je me dis, bon, elle n'est pas là pour venir sur mon chemin, je dois aussi m'affirmer. Et on finit par se comprendre. Je pense qu'il y a ce processus-là qui doit se faire aussi. Je rêve si un jour vous êtes des futurs gouvernements, mais essayons de s'asseoir ensemble. Parce qu'il y a des enjeux planétaires importants maintenant. On est dans un timing assez dangereux quand on parle d'environnement. Comment on va être souverain si on n'a pas si la planète est polluée, si on n'a plus d'essence, si on n'a plus d'arbres, si on n'a plus d'eau, si on est tout le temps en mode survie. Il y a des choses, il y a des enjeux importants où est-ce qu'on doit y penser aussi avant d'avoir cette fameuse guerre de pouvoir ou qui va être au pouvoir, qui va être élu. Des fois, je suis
exaspérée, sur la télé, j'entends que ça présentement, oui. J'entends que ça, mais j'ai comme passion pour j'écoute aussi, ça fait partie de mon travail. Mais les mêmes choses, et j'ai envoyé, j'ai sorti un communiqué de presse en disant, bon, au parti, j'ai pas fait juste une personne, à tous les partis, qu'allez-vous faire avec les femmes autochtones disparues et assassinées? La déclaration des peuples autochtones, est-ce qu'elle va être en vigueur, est-ce qu'elle va être en mode d'action? Plein de choses de ce genre. Nous, on a des gros enjeux aussi dans les communautés, l'éducation, le logement. Je ne veux pas faire un topo où est-ce qu'on fait pitié, non, mais on parle du tiers-monde parfois ailleurs, on parle dans l'histoire, ailleurs en Afrique, mais ça se passe ici au Québec. Ça se passe au Québec. Le jour où je m'en vais à l'Oblast, je m'en vais faire mon marché, il y a des jeunes qui commençaient à ramasser des sous. Et là, je vois que c'est marqué le Rwanda. Ah, j'ai dit, j'ai un ami qui est allé travailler là, puis qui m'avait rencontré des histoires désastreuses. Et là, il m'a dit, ben oui, madame, saviez-vous qu'il y avait un génocide au Rwanda? J'ai dit, ah, ouais. Ah, ouais. Et là, elle l'avait. Et là, je lui ai dit, saviez-vous qu'il y avait un génocide ici au Québec? Elle me regarde avec un formidable. Je dis, nous, les Premières Nations, on le vit encore, ce génocide. C'est omniprésent. C'est pas de votre faute. Écoutez, je ne veux pas faire des paroles culpabilisantes, mais faire comprendre que c'est le système, les gouvernements qui exercent encore ces formes de colonialisme est encore existant. Combien de temps, combien, pas combien de sous, mais combien de minutes m'a-t-on donné? On n'avait pas vraiment prévu un temps précis, okay. Mais peut-être si vous prenez quelques minutes pour conclure. Ok. Et je conclue. Et je conclue. Moi, je souhaite que... Écoutez, je dis toujours qu'à chaque présentation, vous nous avez entendu. On est combien? On est quatre, on est cinq ici, devant. Vous avez une responsabilité. On entend toujours les préjugés qui sont omniprésents. Votre responsabilité maintenant, c'est à vous de retransmettre l'information que vous avez entendue. C'est à vous de faire tomber justement les préjugés que vous entendez. Si vous ne les laissez, si vous les laissez passer, ben vous êtes complice. Je vais vous mettre la tête. Vous êtes complice de ces préjugés-là. Je pense que c'est un travail qu'on doit le faire au quotidien, partout où est-ce qu'on est. C'est une responsabilité de retransmettre ce que vous avez entendu. Voilà, moi je vous remercie, puis j'espère que j'ai touché à la thématique. J'improvise beaucoup, moi j'arrive, puis je me mets dans le vide, puis je prends quelques mains pour moi. Donc, je ne suis que maintenant. Merci beaucoup.